Qu'est-ce qui se passe, Hermine? Ah, tu sens le vilain chien noir, ton ennemi. Ah non, c'est le beau César, ton amoureux. Hein? Le rototo du château. Il va te rendre visite, hein, Hermine. Laissez-la sortir. Dieu, faites que ce soit lui. Phébus, ça va ! Doucement, Phébus, tu n'es pas encore guéri ! Qui êtes-vous? Je suis la dame du comte Phébus. Le comte Phébus est mort à la guerre. Je le sais. Puis-je le remplacer dans votre cœur? Nul ne remplacera jamais Phébus dans le cœur de Myriam. Sa dame. T'es blessé? Il a même failli mourir. Cet imprudent ne porte jamais de home. Oncle Corbeyran, vous ne lui avez pas dit? Bah, la mule du pape est plus obéissante. N'est-ce pas? Hermaton. Pierre! Guillaume! Ouais, si vous êtes tous revenus de cette guerre, Dieu soit loué. Et quand Phébus a-t-il été blessé? Ça devait être le 24 juin. Vers les midis, oui. L'heure de manger, quoi, c'est ça. Ce même jour, la même heure, moi aussi j'ai été blessée. À la même place. Promis un cadeau, le voilà. Ah ben, attends pour le monter, attends qu'il soit dressé. Oh, regarde, il m'aime déjà. Il t'aime peut-être, mais il s'en défend. Myriam!
vas te jeter à terre. À nous deux maintenant. Tu m'as désobéi. Dieu nous regarde.